Allez, tout autre sujet. L'été a du mal à s'installer près de chez nous et le soleil se fait désirer dans la région des Hauts-de-France. Alors pour pallier la grisaille, certains ont trouvé la solution, la luminothérapie. La luminothérapie consiste à utiliser une lampe qui reproduit les rayons du soleil, un bienfait pour notre organisme. Cette lumière sécrète de la sérotonine, l'hormone de l'humeur, à la clé un sommeil réparateur visiblement et moins de fatigue. De nombreux instituts se spécialisent dans cette technique. Chaque semaine, une dizaine de clients poussent la porte de cet institut pour une séance de 30 minutes. Les propos sont recueillis par Clotilde Leguévac. Je viens de Pays-Bas, donc là déjà il n'y a pas beaucoup de soleil. Et après je suis venue ici pour travailler. Et aux Pays-Bas j'ai déjà un truc comme ça, mais c'est plus pour, vraiment pour l'UV, pour bronzer. Et ça m'a déjà bien aidé en hiver. Et ben là je suis plus étudiante, donc j'ai un peu plus le moyen de venir chez une esthéticienne. Et après j'ai trouvé ce lieu-là et c'était très bien et je continue à faire ça. En plus, je travaille dans un bureau, donc je ne vois pas beaucoup le soleil. Donc c'est pour ça. On la conseille dans les pays nordiques, forcément, parce que du coup, les nuits sont très longues. Quand il y a une absence totale de lumière, ça déclenche chez nous donc, une petite dépression. C'est vrai qu'en faisant la luminothérapie, ça permet, donc, comme je vous ai dit, de bien sécréter la sérotonine, qui est l'hormone des humeurs. Et le fait que cette hormone soit sécrétée, on a beaucoup plus d'énergie au quotidien.